était prêt. L'État était prêt. La DFCT était prêt. Elle avait fait tout le décompte. On avait les décomptes. Les ordres de virement étaient prêts. Ils étaient signés par le président. Et ça, c'était jeudi. Et l'information a été donnée à l'entraîneur, par moi, et confirmée par le secrétaire général. Ah, il était... Après, on provoque une réunion, quand l'équipe rentre en stage, on provoque une réunion en disant... C'est pour ça que je vous dis, c'est un précédent qui est très grave, parce qu'il ne s'est jamais passé à l'USMA. Dans l'histoire de l'USMA, ça ne s'est jamais vu. Je vous dis ce que nous disait un joueur le Barah. Je n'ai pas aménagé qui que ce soit joueur, que ce soit entraîneur, que ce soit dirigeant, ou là, les yakfak yakfak, ou à la makan. Là, bigoulak, tafakna, ma taqm technique, bachem rouhouch le Turquia, khatar ma khalastonash. Alors que nous, jeudi, on avait donné l'information, donc jeudi, vendredi, samedi, rana fait dimanche. On avait donné l'information, à partir de dimanche, notre compte va être crédité par Serpor. On a tout préparé. Dès que le compte est crédité, la banque, c'est des ordres de virement qui vont aller. C'est un ordre de virement, ça prend peut-être 24 heures, 48 heures, je ne sais pas ce que ça prend. De banque à banque, je sais que c'est automatique, parce que c'est la même banque. Si c'est BDL, BDL par exemple, tout de suite, quand il crédite le compte, tout de suite votre compte est crédité. Bon, quand c'est des autres banques, c'est 2-3 jours. D'accord. Donc, pour nous, notre travail a été fait. C'est la priorité. Pourquoi ? L'USMA est un rare club qui paye ses joueurs pratiquement dans les délais. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce retard ? Il y a eu ce retard quand il y a eu des changements à la tête de l'entreprise mère de l'USMA, qui est Serpor. Quand il y a eu ce changement, alors que vous aviez une personne qui était PCA ici et PCA ici, cette personne n'étant plus là, c'est-à-dire il n'y avait plus la liaison. Lui, c'était la même personne.